Merci beaucoup Zaina. Ma présentation s'inscrit dans la continuité du point historique que Niels proposait au début de la sienne, et je vais m'arrêter en particulier sur le XVIIe siècle, donc juste avant l'inné, hein, dans le point qui a été proposé tout à l'heure. Je voudrais commencer en disant que la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'est-ce qu'un animal, a enflammé le XVIIe siècle, puisqu'elle est le nœud d'une querelle importante qui a affairé de très nombreux esprits aux préoccupations variées, qu'on peut qualifier aujourd'hui de scientifique, philosophique, théologique, même si la partition des disciplines n'était pas au XVIIe siècle aussi radicale que celle que nous connaissons actuellement. Cette question, qu'est-ce qu'un animal, a même passionné les milieux lettrés, voire profanes, de la cour, mais aussi des salons. Le corpus de textes qui esquisse au XVIIe siècle une réponse à cette question est pour le moins interdisciplinaire, puisqu'on va trouver des traités philosophiques, métaphysiques, des comptes rendus scientifiques, rédigés par des philosophes ou des théologiens comme Malebranche, Leibniz, Rouault, par des membres de l'Académie des sciences, comme Claude Perrault, le frère du conteur, ou encore Sylvain Régis. Et puis ce corpus qu'on peut qualifier de savant est considérablement augmenté par un corpus lettré qui est lui-même très varié. On peut évoquer par exemple la correspondance des salonnières, comme celle de Madame de Sévigné avec sa fille Madame de Grignan, qui se revendique cartésienne, la correspondance aussi de Madame, la princesse palatine, la sœur du roi. On trouve aussi les marques du débat sur la nature de l'animal dans la poésie, celle de Madame des Houlières, celle de La Fontaine, mais aussi dans la poésie scientifique, comme celle de Claude Denis Dufour de La Crépelière. On en trouve dans le roman l'histoire des oiseaux de Cyrano de Bergerac, dans les histoires des États et Empires de la Lune et du Soleil, ou encore dans des textes beaucoup plus difficilement classables, comme Les Pensées de Pascal, ou l'histoire de deux caméléons de Madame de Scudéry, dans laquelle elle consigne ses observations, ses expérimentations de profane sur ces animaux qu'elle héberge. Donc avec un tel corpus aussi interdisciplinaire, aussi varié, aussi large, qui plus est produit dans un contexte extrêmement polémique, je ne peux pas proposer de réponse aujourd'hui unanime à la question « qu'est-ce qu'un animal pour le XVIIe siècle ?» Mais pour dégager un parcours parmi toutes les réponses possibles à cette question, je voudrais me concentrer sur une voix qui est particulièrement audible dans ce débat au XVIIe siècle, mais encore aujourd'hui, puisqu'on le trouve cité quasiment dans chaque ouvrage qui sort aujourd'hui, c'est la voix de Descartes, puisque pendant un siècle, donc de la première moitié du XVIIe jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe, va imposer quasiment à tous ceux qui se poseront la question « qu'est-ce qu'un animal ?» la reformulation suivante « l'animal a-t-il une âme ?» En plus, cet exemple de Descartes est intéressant puisqu'il va bien montrer l'imbrication étroite entre philosophie, sciences naturelles et même belles-lettres qui caractérisent vraiment le projet interdisciplinaire aujourd'hui de notre laboratoire et de cette journée d'études. Donc je vais repousser le moment d'aborder le trop célèbre animal-machine pour commencer par m'intéresser à la manière dont la notion, enfin, quelle réalité va couvrir la notion d'animal dans des fragments que Descartes a écrits en vue de publier un traité de la génération des animaux qu'il en fait n'a jamais publié. La relative similitude qu'on trouve dans ces fragments, hein, qui est établie entre l'homme et ce qu'on va appeler par commodité la bête, c'est-à-dire tous les autres animaux, va ensuite nous conduire à nous intéresser à la manière dont Descartes va essayer de distinguer l'homme et la bête, puisque c'est bien l'enjeu du problème de l'âme des bêtes au XVIIe siècle. Donc pour commencer, je voudrais présenter
deux définitions qui sont courantes de l'animal au XVIIe siècle en m'appuyant sur les fragments du traité dont je parlais à l'instant, du projet de traité sur la génération des animaux, en expliquant à quelle réalité renvoie ce terme « animal » dans le texte et dans son titre. Donc la majeure partie du traité emploie le terme « animal toujours en incluant dans cette catégorie l'être humain, qui, avec les bêtes, partage un certain nombre de facultés qui sont propres aux êtres animés, dont on parlera juste ensuite. Et effectivement, une partie des fragments dans ce projet de traité est bien consacrée à la description du corps humain en particulier. Dans le fragment 16, Descartes insiste par exemple sur la différence de génération entre les plantes d'un côté et tous les autres animaux, incluant bêtes et hommes, de l'autre côté. Donc il oppose d'un côté les vivants que sont les plantes et les vivants que sont tous les autres animaux. Donc ce sens d'animal comme bête plus homme ou vivant moins plante est très courant au XVIIe siècle et on peut l'observer dans de très nombreux textes des belles-lettres. Dans le corpus sur lequel je travaille pour ma thèse, la majorité quand même des occurrences d'animaux sert à désigner simplement les bêtes, donc vivant moins plantes, moins hommes, et non les hommes. Mais l'animal peut aussi désigner hein, l'ensemble qui est formé par les bêtes et les hommes parce qu'ils partagent, pour bon nombre de ces occurrences, la même condition. On voit chez Saint-Sorlin le groupe nominal « les mortels animaux », l'aphorisme « à tous les animaux, la mort est redoutable » chez Tristan l'Hermite. On le trouve chez André Rivet en dessous en synonyme de « créature ». « La terre a été par Dieu peuplée d'animaux de diverses sortes, entre lesquels l'homme a été établi pour dominateur ». Et puis on relève encore un emploi satirique qui sert à rabaisser, comme Zainal disait dans sa présentation, hein, qui sert à rabaisser l'homme en l'incluant dans la catégorie des animaux et en le montrant, en l'occurrence, incapable de dompter, de civiliser son naturel, de réprimer ses instincts, c'est-à-dire sa sauvagerie. Sans garder en ses mœurs ni règles ni mesures, il suit en animal les instincts de la nature. Le deuxième fragment pour le traité sur la génération des animaux propose une définition savante de la notion d'animal qui peut inclure les hommes. Il y a d'abord certaines propriétés communes à tous les animés, comme se mouvoir par ses propres moyens, se nourrir, etc., qui de toutes doivent être prises en considération en premier lieu. Il y a ensuite d'autres qui sont communes presque à tous, comme voir, entendre, etc. Descartes propose ici de caractériser le règne animal dans son entier par la capacité de ces individus à se nourrir, à se mouvoir et aussi, pour la plupart, à être sensibles. Toutes ces facultés concernent aussi bien les bêtes que les hommes. Et ces facultés, vous vous souvenez des trois facultés présentées par Niels chez Aristote tout à l'heure, sont les trois facultés qui, très traditionnellement, depuis Aristote, servent à caractériser l'animalité. Dans la présentation de Niels, hein, on avait cette frontière entre la théorie d'Aristote et le XVIIIe siècle qui se justifie par le fait que la théorie d'Aristote, christianisée, remâchée par Thomas d'Aquin, fait autorité quasiment jusqu'au XVIIe siècle. C'est pour ça que je m'arrête rapidement dessus, puisque cette deuxième définition est importante parce qu'elle est la réponse officielle à notre question « qu'est-ce qu'un animal ?». C'est la réponse de l'université, de la scolastique, qui deviendra par la suite celle qui est défendue contre l'hypothèse de Descartes. Donc selon cette conception, hein, qui distingue, comme l'a dit Niels, les plantes, les animaux et les hommes, tout ce qui est vivant est caractérisé par le fait qu'il est mu par une âme. C'est l'âme qui est principe de vie et qui est la source de toutes les fonctions vitales. Selon la qualité de l'âme, sensitive ou raisonnable intellective, l'individu vivant a différentes facultés. Donc pour les plantes, nutrition et croissance. Pour les animaux, sans l'homme, croissance, sensation, locomotion.
On le voyait tout à l'heure. Et l'âme intellective octroie toutes ces qualités, plus la raison. L'importance de cette thèse, qui rejoint des représentations tout à fait traditionnelles de l'animal, est bien mise en valeur par le fait que c'est par rapport à elle que les mentions de la nature animale dans les textes des belles-lettres se situent la plupart du temps. L'homme se distingue des bêtes par son âme intellective, c'est-à-dire par sa raison. C'est la plupart du temps l'occasion de déplorer le malheur de la condition humaine. La raison n'apporte que la souffrance, alors que les bêtes sont bien heureuses parce qu'elles n'ont pas de raison. C'est une idée qui est souvent associée, comme dans les idylles de Madame Déhoulières, d'Antoinette Déhoulières, à un imaginaire de la chute et du péché originel. Mais c'est aussi, bien sûr, l'occasion de moquerie sur la belle raison de l'homme qui est censé le distinguer des animaux et qui, en fait, n'y parvient pas toujours. Donc ce sont les deux extraits ici. « Mes moines sont cinq pauvres diables, portraits d'animaux raisonnables, mais qui n'ont pas plus de raison qu'en pourrait avoir un oiseau. » Et chez Guy de Balzac, il y a souvent grande différence entre un docteur et un animal raisonnable. Le fragment 2 de Descartes semble donc se conformer à cette thèse scolastique, même si ici, il n'est pas question d'âme, puisqu'on est dans un traité scientifique, presque d'anatomie, dans les fragments, et pas dans un traité métaphysique, alors que l'âme est une question métaphysique. Mais dans les deux cas, les fragments attribuent aux bêtes aussi bien qu'aux hommes des facultés qu'octroient les âmes sensitives et l'âme intellective, nutrition, locomotion, sensation. L'étude de la génération, donc l'étude anatomique de la génération des animaux, qui est appuyée sur les expérimentations de Descartes, conduit à distinguer non plus, comme dans la tradition, les plantes, les animaux et les hommes, différents des autres animaux, mais en fait, les plantes et de l'autre côté tous les animaux qui se ressemblent beaucoup plus par leur manière de naître. Alors que le processus de génération rassemble tous les animaux, l'homme et les bêtes, il faut se demander la manière dont Descartes va opérer une distinction malgré tout entre différents types d'animaux. Et on voit que ça ne se limite pas aux bêtes et aux hommes, puisque les bêtes deviennent en fait une troisième catégorie seulement. Donc après avoir distingué les animaux des plantes dans le fragment 16, Descartes opère tout de même dans les fragments qui suivent, 17 et 18, une distinction entre trois types d'animaux, à chacun desquels il réserve un paragraphe pour en montrer les spécificités. Il distingue les hommes de ce qu'il appelle les bêtes brutes, bruta, dans le texte latin, et voici ce qu'il en dit. Les bêtes brutes n'ont aucune notion de ce qui est avantageux ou désavantageux, mais pendant leur existence dans l'utérus, elles ont été exposées à certaines situations par la force desquelles elles ont grandi et par lesquelles elles sont entraînées vers certains mouvements. D'où ensuite, toutes les fois qu'il leur advient quelque chose de semblable, elles exécutent toujours ces mêmes mouvements. Donc pour différencier l'homme et la bête brute, Descartes affirme que les actions des bêtes, donc les fragments-là sont vraisemblablement écrits vers 1630, donc 7 ans avant le discours de la méthode et les animaux-machines, que les actions des bêtes sont commandées par ce qu'on pourrait appeler des instincts, même s'ils n'emploient pas le nom, des réactions qui sont imprimées en elles dès leur formation dans l'utérus et que les bêtes vont répéter mécaniquement déjà lorsque la situation commande cette réaction. Ce qu'il faut retenir, c'est que dès ce fragment de 1630 probablement, les bêtes n'ont plus aucune forme de raisonnement, ni même de jugement, mais sont conditionnées en fait pour agir et se mouvoir dès leur formation dans l'utérus. C'est ce même raisonnement, cette même représentation des bêtes que propose Pascal dans les Pensées quand il écrit le bec du perroquet qui l'essuie quoi qu'il soit net. C'est-à-dire que c'est plutôt par instinct que par conscience d'être sale que le perroquet va mécaniquement avoir besoin de se nettoyer. Alors la preuve, c'est qu'il le fait même étant propre. Donc il n'y a pas de conscience chez l'animal.
cette remarque sur le fait, dans ce traité anatomique, comme je le disais, savant, sur le fait que les bêtes brutes n'ont aucune notion de ce qui est avantageux ou désavantageux, est d'ordre métaphysique, en fait, puisqu'elle implique la raison et l'âme, et trouve un petit peu étrangement sa place dans ce traité savant. Qui s'appuie, hein, je le disais, essentiellement sur un travail de dissection et d'anatomiste. Premier étonnement. Et second étonnement, il est aussi notable que Descartes ne parle pas ici de tous les animaux, mais seulement de ceux qu'il appelle les bêtes brutes. Voici la définition que Furtière donne de brutes. C'est une bête à quatre pieds qui se nourrit en broutant de l'herbe. L'homme n'est distingué des brutes que par la raison. On dit figurément d'un homme sans esprit que c'est une bête brute. La définition de Furtière donne deux types d'informations. Le mot brute ne désigne que les quadrupèdes herbivores. Et l'homme est extrêmement proche des brutes. Seule sa raison distingue l'homme des autres bêtes. Et il peut être semblable au point qu'on peut l'appeler parfois lui-même bête brute. Chez Descartes comme chez Furtière, brute ne renvoie pas non plus à tous les animaux, même si la notion excède celle des quadrupèdes herbivores. Elle n'excepte en fait que les hommes et un troisième type d'animaux dont je vais parler maintenant, les zoophytes comme les huîtres ou les éponges, dont Niels parlait tout à l'heure. Donc le fragment 16 est consacré aux plantes, le fragment 18 aux brutes et aux hommes, et le fragment 17 est consacré à cette catégorie intercalaire des zoophytes, littéralement les animaux-plantes, qui appartiennent cependant bien au règne animal chez Descartes, malgré toutes les différences qu'elle entretient avec les animaux. Les zoophytes sont distingués des brutes et des hommes, très radicalement dans ce fragment, et ce qui a tendance à rapprocher les brutes et les hommes, puisque ça révèle leurs liens, leurs caractéristiques communes, leur caractère commun. Donc dans ce fragment, Descartes explique que les zoophytes ne peuvent pas se mouvoir en raison de la composition de leur corps, contrairement aux autres animaux, dont les hommes. Descartes explique ici qu'ils n'ont que très peu d'organes. Descartes écrit qu'ils n'ont rien d'autre que le cœur et les chairs, ou peut-être aussi le cerveau, en l'occurrence chez les huîtres, ce nerf par lequel elles sont maintenues fermées. Et surtout, leur manière de naître va les différencier de tous les autres animaux, puisque les zoophytes sont sujets à ce qu'on appelle la génération spontanée. C'est la génération sans qu'il n'y ait besoin ni de semences ni de matrices. Dans cette catégorie, donc on trouve les éponges, les huîtres, mais aussi les vers et les insectes. On reprendra d'autres exemples de Descartes plus tard. Il suffit que deux individus soient à proximité, qu'il y ait une chaleur permettant la putréfaction et que quelques esprits vitaux traînent par là pour que la génération spontanée se fasse. Donc pour ces zoophytes, on remarque que Descartes n'insiste pas, comme il l'avait fait pour les brutes, en utilisant des motifs métaphysiques en plus, l'absence de raison, pour établir leur différence avec l'homme. Il les distingue simplement anatomiquement, et ça suffit largement, puisqu'il n'y a aucun danger de confondre les hommes avec ces animaux les plus bas dans la création, les vers, les insectes, les huîtres, etc. Donc si c'est la génération, c'est bien la génération qui distingue les animaux des plantes au sein du vivant, mais encore au sein des animaux, les zoophytes des autres animaux, c'est une notion métaphysique simplement qui permet dans le traité, le projet de traité, de distinguer les autres, l'homme des autres animaux, c'est bien l'âme. Donc j'en viens à l'hypothèse de Descartes, et si les brutes n'avaient pas d'âme? Donc je propose de vous présenter rapidement cette thèse novatrice, hein, selon laquelle les animaux n'ont pas d'âme, et ce qui fait en fait la seule véritable originalité de Descartes par rapport à la position de Thomas d'Aquin, puisque Thomas d'Aquin privait déjà les animaux de raison, mais supposait qu'ils avaient bel et bien une âme. Donc pour expliquer cette hypothèse, cette thèse, il faut commencer par la placer dans le contexte du mécanisme qui consiste à expliquer absolument tous les mouvements d'un corps par l'enchaînement d'une série de,
de mouvements locaux dans le cadre du grand projet de la mathésis universalis, selon lequel Descartes voudrait répandre ce type d'explication mécanique à l'ensemble des corps, y compris les corps organiques. Des lois physiques doivent permettre d'expliquer tous les phénomènes matériels. Comme Descartes a supprimé par rapport à Thomas d'Aquin le recours à la notion d'âme pour justifier la vie, il peut procéder ainsi. C'est ce qui fait toute la modernité et l'efficacité de sa physique. Donc c'est dans ce contexte de la mathésis universaliste, de la volonté d'expliquer mécaniquement tous les phénomènes, y compris ceux qui viennent du vivant, que Descartes va opérer une distinction radicale entre l'homme et tout le reste de la création, puisque l'homme est le seul être à participer de la substance pensante, dans la mesure où il est doté d'une âme immatérielle, quand tout le reste n'est que pure matière. Tout le reste inclut évidemment les autres animaux, puisque l'animal n'est que pure matière, et comme on le voit déjà prématurément en 1630 dans ces fragments, l'animal n'a pas besoin d'âme pour agir, puisque ses mouvements sont commandés dès sa formation dans l'utérus. Pour Descartes, rien ne permet de prouver que l'animal a une raison, soit une âme, puisqu'il ne parle pas, et il n'a pas la capacité d'effectuer des actions variées autres que celles qui sont commandées par ses organes. Benserade, dans le 4.1 qui est projeté ici, reprend l'image de Descartes, selon laquelle on pourra toujours distinguer un animal d'un homme, c'est-à-dire un animal d'un autre animal raisonnable, par le langage et les actions. Le perroquet eut beau par son caquet imiter l'homme, il fut un perroquet, et s'habillant en homme sous le linge, le singe aussi ne passa que pour singe. L'idée que les animaux n'ont pas d'âme et aucune espèce d'intelligence est difficilement acceptée et acceptable, plutôt contraire au bon sens, et elle révolte donc les milieux savants et lettrés. Pour faire accepter cette thèse contre-intuitive, Descartes avait pourtant mis au point différentes stratégies de diffusion, on pourrait presque dire de vulgarisation, en tout cas de persuasion, de propédeutique psychologique, selon l'expression de Thierry Gontier. Et c'est le cas des animaux-machines, pardon, mais aussi de l'image des zoophytes, et je voudrais commencer par celle-ci. Puisque les zoophytes vont pouvoir en fait former avec les bêtes un ensemble solidaire à opposer à l'humain. Si on ne peut pas comparer l'homme à une huître, on ne pourra pas non plus comparer l'homme avec un singe, puisque l'huître et le singe appartiendraient au même ensemble des animaux non humains. Dans la lettre à Newcastle du 23 novembre 1646, Descartes affirme que le fait que les animaux aient une âme, une raison, est totalement invraisemblable. Il n'y a point de raison pour le croire de quelques animaux sans le croire de tous. Et il y en a plusieurs trop imparfaits pour pouvoir croire cela d'eux, comme sont les huîtres, les éponges, etc. C'est le même argument par l'absurde qu'on trouve, et par le zoophyte qu'on trouve dans la lettre à Maurus. Il y a moins de probabilité pour que tous les vers, les moucherons, les chenilles et le reste des animaux soient doués d'une âme immortelle que pour qu'ils se meuvent à l'imitation des machines. La notion d'âme permet donc finalement de faire en sorte que le singe ressemble plus à l'huître qu'à l'homme, ce que les recherches anatomiques de Descartes ne permettaient pas. Les zoophytes, comme le singe d'ailleurs, par sa ressemblance avec l'homme, permettaient de renforcer la proximité des brutes et des hommes. Mais Descartes va justement, à l'inverse, s'en servir pour les distinguer radicalement, comme il le fait aussi avec le singe, qui est l'exemple qu'il prend dans le discours de la méthode. C'est précisément parce que les zoophytes sont considérés comme les animaux les moins dignes de la création, que l'auteur anonyme du poème « Sur des vers à soie », qui est publié dans le premier tome du recueil de Cercy en vers, vers 1653, feint de montrer leur supériorité.
pour rabaisser violemment l'orgueil des hommes. Ce procédé carnavalesque de l'inversion des valeurs, qui met l'homme en dessous des vers à soie, est habituel dans la satire, mais il est dans ce poème, qui est tronqué ici, hein, doublé d'un reproche beaucoup plus original à l'époque, puisqu'il est exprimé à la première personne par des vers locuteurs, des vers à soie locuteurs, contre l'homme parce qu'il se considère comme maître et possesseur de la nature. Sacrilège humain dont je suis la victime, de quoi m'accusez-vous? Quel peut être le crime qu'envers vous j'ai commis? Peste de l'univers, tyran de la nature, vous fais-je quelque injure qui vous puisse obliger d'être mes ennemis? Qu'en finissant mes jours, je mets fin à ma peine. Ne ravissez-vous pas d'une rage inhumaine ce que j'ai de plus beau? Est-il quelqu'un de vous, race ingrate et barbare, de qui la main avare n'aille pour s'enrichir, détruire mon tombeau. Je termine rapidement avec, l'animal machine, qui est une autre stratégie utilisée par, Descartes pour permettre de comprendre son projet de mathésis universalis, qui implique la confusion entre les corps organiques et les corps inorganiques. Cette hypothèse, rencontre dans tous les domaines théologiques, parce qu'on va contre la doctrine de saint Thomas, de l'échelle des êtres, dans les belles lettres, parce que c'est totalement contre-intuitif et contraire à nos rapports habituels avec les animaux, mais aussi chez les savants, comme Claude Perrault. Hein, cette théorie rencontre beaucoup d'opposition. Je vous ai mis trois textes pour exemple, mais l'ensemble des textes que je citais en introduction, qui est une toute petite partie de tout ce qui a été écrit contre les animaux-machines. Donc je vous propose un extrait de la correspondance de Madame de Sévigné à sa fille, la cartésienne Madame de Grignan. Parlez un peu au cardinal de vos machines, des machines qui aiment, qui ont une élection pour quelqu'un, des machines qui sont jalouses, des machines qui craignent. Allez, vous vous moquez de nous, jamais Descartes n'a prétendu nous le faire croire. Et les deux derniers exemples tournent autour d'un animal, le caméléon, puisque Madame de Scudéry et Claude Perrault ont essayé de rivaliser en quelque sorte. En rédigeant, donc Claude Perrault dans sa description anatomique et Madame de Scudéry dans son histoire de deux caméléons, en consignant toutes les observations qu'ils ont faites autour de cet animal exotique. Les deux vont en fait se répondre certes l'un l'autre, mais aussi répondre à Descartes et à sa théorie, puisque chacun va essayer de montrer qu'ils ont observé des manifestations, des sentiments du caméléon, voire de son intelligence ou de sa raison. Donc Claude Perrault va montrer... par exemple la prudence du caméléon. Il ne pose jamais son pied sans avoir considéré auparavant où il le place. Madame de Scudéry, qui avait elle deux caméléons, un mâle et une femelle, et d'ailleurs elle se vantera d'avoir préservé ces caméléons plus longtemps que Claude Perrault, insistera sur leur rapport d'amitié. Je remarquais une amitié extrême entre eux et jamais le moindre chagrin. Ils étaient toujours l'un après l'autre. Si l'un changeait de place, l'autre le suivait. Ils se tenaient toujours l'un l'autre avec quelqu'un, quelqu'une, pardon, il manque quelques lettres, avec quelqu'une de leurs petites mains. Je voudrais dire que j'aurais pu prendre ici aussi l'exemple qui est peut-être le plus célèbre de réponse à la théorie de Descartes, qui est celui de La Fontaine, dans le discours à Madame de la Sablière qui le vise explicitement. Cet exemple-là nous mène vers une quatrième, définition importante de l'animal, après celle de Thomas d'Aquin de l'université, après celle de Descartes, après celle des poètes. C'est celle héritée de la conception de Gassendi, selon laquelle les animaux auraient une âme innée, très subtile, matérielle, presque immatérielle par sa subtilité. Mais surtout, et c'est ce qui va ouvrir et réorienter tout le débat au XVIIe siècle, qui prend en compte la sensibilité, c'est-à-dire la capacité à utiliser leur sens, à percevoir des sensations des animaux, puisque selon Gassendi, et ensuite dans toute la tradition sensualiste, on considérera que
puisque les animaux sont capables de sentir, ils sont capables de quelque chose qui est déjà de l'ordre de la connaissance. C'est ces théories qui vont permettre progressivement de supprimer le recours à la notion d'âme qui est encore quasiment systématique au XVIIe siècle et qui réorientera le débat du côté du matérialisme à partir du milieu, on va dire, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, pardon. Merci beaucoup. Merci.